Exercice 15, une histoire de nombres constructibles. Un nombre C est dit constructible si on peut dessiner un segment de longueur C à partir d'un segment de longueur 1 uniquement à la règle non graduée et au compas. Alors, premièrement, uniquement à l'aide de la règle non graduée et du compas, placer un point C tel que la longueur AC soit égale à 2. Alors, on part donc de ce segment-là AB dont la longueur vaut 1. Et on va essayer donc de construire segment AC de longueur 2. Bah, il suffit tout simplement de doubler cette longueur-là. Donc pour ça, je vais me servir non pas des graduations de ma règle, mais du bord droit de ma règle. Donc là, tu vois, je vais venir ici, hop, prolonger, voilà, la demi-droite AB. Ensuite, je vais prendre mon compas et je vais reporter la longueur AB tout simplement de l'autre côté par rapport à B. Donc hop, on va glisser un papier en dessous pour accrocher la mine. Voilà, donc là, hop, je plante sur B, je prends la longueur jusqu'à A ici, et je viens la reporter de l'autre côté. Voilà. Et du coup, ici, j'ai mon point C. Voilà. Donc là, j'ai bien la longueur AC qui vaut 1 plus 1, c'est-à-dire 2. Ensuite, je dois placer un point D tel que la longueur AD soit égale à 5. Et bien, je vais continuer. Là, je vais encore à nouveau reporter ma longueur. Là, tu vois, hop, à partir de C, je vais la reporter encore, du coup, 3 fois. Donc, hop, une première fois ici. Une deuxième fois. Et enfin, une quatrième fois. Donc là, en fait, ce que je suis en train de faire, en fin de compte, c'est tout simplement graduer mon axe de 1 en 1. Voilà. Et donc, on a notre point D ici. Et on a 1, 1, 1, 1, 1. Et ça fait 5 au total. Ok. Donc, on sait finalement, à partir d'un longueur de segment 1, on peut multiplier ce segment-là par n'importe quelle valeur, en fait, la longueur du segment par n'importe quel nombre entier, attention, il suffit de reproduire plein de fois. Voilà. Ensuite, on veut placer un point E pour que la distance AE soit égale à la moitié de 5, donc en fait la moitié de la longueur AD. Alors, comment on fait pour diviser une longueur par 2 avec la règle et le compas? Eh bien, on construit tout simplement la médiatrice. Voilà, en fait, le point E, tu vois, il suffit juste de le mettre entre A et D. Allez, on y va, on prend le compas et on va construire la médiatrice. Donc, on plante sur D. Avec le compas, on va prendre une longueur plus grande que la moitié du segment AD. Voilà, je suis pas trop mal. Je vais faire un arc de cercle en haut et un en bas. C'est pas grave si je déborde sur le texte. Et maintenant, surtout, ce qui est très important, c'est de conserver le même écart au compas. Et on va venir faire la même chose, mais en pointant sur l'autre extrémité du segment, c'est-à-dire à partir de A. Voilà. Hop, je viens intersecter le premier et le deuxième arc de cercle. Voilà, je sors le compas. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à tracer la droite qui passe par les deux points d'intersection. Et ça, ça va venir couper mon segment en son milieu. Voilà. Tac. Ici, c'est parfait. Et donc, à cet endroit-là, j'ai mon point E. Donc là, on voit bien le point E, il est pile au milieu entre le point C et ce point-là. Voilà. Donc là, on est à 1, 2, 2,5 ici. Donc c'est bien 5 divisé par 2. Ensuite, on nous demande de placer un point F, tel que la distance DF soit égale à 1,25. Alors 1,25, eh bien c'est la moitié de 2,5. Donc là encore, on va partager la longueur 2,5 en deux. Alors entre D et E, on a exactement 2,5 unités. 1, 2, 2,5. Donc en fait, on va partager le segment DE en deux. Voilà. Donc c'est reparti, on va tracer la médiatrice du segment DE. Donc on va venir planter sur D, on va prendre un écart au compas plus grand que la moitié de DE. Voilà, c'est très bien ça. Un arc de cercle en haut, un arc de cercle en bas. Et on fait pareil à partir du point E. Voilà. Et maintenant on n'a plus qu'à tracer
La droite qui passe par les deux points d'intersection. C'est parfait. Et donc on a notre point F ici. Voilà. Et donc là on a bien 1,25 entre D et F. Donc 1 plus 1 quart. 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, comme on dit, hein, juste en dessous, il est facile de construire n'importe quel nombre entier positif. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en reproduisant tout simplement, en dupliquant hein, la longueur 1 plusieurs fois. Tout comme il est facile de diviser un nombre en 2 à l'aide de la règle et du compas en faisant tout simplement une médiatrice. Nous voyons comment construire le produit ou le quotient de deux nombres dans un autre chapitre à l'aide du théorème de Thalès. Donc on verra ça un peu plus tard pour multiplier deux nombres ou diviser deux nombres entre eux. Et là maintenant, grâce au théorème de Pythagore, on va voir comment on fait pour construire la racine carrée d'un entier. Encore une fois, uniquement à l'aide de la règle non graduée, hein, c'est-à-dire d'un bord droit, et du compas qui permet tout simplement de reporter des longueurs. Alors, deuxièmement, en appliquant le théorème de Pythagore, déterminer les longueurs R, V et B des segments rouges, vert et bleu. Alors, exceptionnellement, je dis bien exceptionnellement, parce que là, on attaque les exercices d'approfondissement. Donc, je pars du principe que le théorème de Pythagore, tu es béton dessus, tu l'as rédigé maintes et maintes fois et tu sais parfaitement l'utiliser. Donc, à titre exceptionnel, là, je vais appliquer directement les égalités de Pythagore sans m'occuper de rédiger le triangle, les rectangles, l'entend, donc d'après le théorème de Pythagore, etc. Là, on va vraiment être dans l'application directe. Donc, je fais fi de la rédaction à titre exceptionnel. Allez, on y va. Alors, pour calculer la longueur R, donc dans ce triangle-là qui est rectangle en ce sommet-là, d'après le théorème de Pythagore, on va avoir R au carré qui va être égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Donc déjà, on va avoir R au carré qui va être égal à 1 au carré plus 1 au carré. 1 au carré plus 1 au carré. Et ça fait bah, 1 au carré, ça fait 1. Donc 1 plus 1, ça fera 2. OK? Et ensuite, étant donné que R est une longueur, elle est supérieure ou égale à 0. 2 plus R est supérieur ou égal à 0. Donc R du coup va être égal à la racine carrée de 2. Voilà. Maintenant, on va déterminer la longueur V. Donc là encore, notre triangle ici, il est rectangle en ce sommet-là. Donc en utilisant le théorème de Pythagore, on va pouvoir dire que V au carré est égal à 1 au carré plus R au carré. On y va. On a V au carré qui est égal à 1 au carré plus la longueur R au carré. Alors, 1 au carré, ça fait 1. Et si tu rajoutes le carré de R, bah, le carré de R, on l'a ici, c'est 2. Et tout ça fait 3. Donc là encore, 2 plus V est supérieur ou égal à 0. Donc, bah, pour retrouver V, on applique directement la racine carrée de 3. Voilà. Et enfin, la longueur B, même chose, dans ce triangle-là qui est rectangle en ce sommet-là, on va avoir B au carré qui va être égal à 1 au carré plus B au carré, V au carré, pardon, grâce au théorème de Pythagore. Donc nous avons enfin B carré qui est égal à 1 au carré plus V au carré. Du coup, ça fait 1 plus le carré de la racine de 3, c'est-à-dire 3, et ça fait 4. 2 plus B supérieur ou égal à 0. Donc B, c'est la racine carrée de 4. Et ça, accessoirement, ça fait 2. Voilà. Donc ici, on a racine carrée de 2, racine carrée de 3, racine carrée de 4. Alors en question 3, de la même façon, on nous dit construire la racine carrée de 5, la racine de 6, la racine de 7, de 8, de 9, de 10, etc. etc. Et bien en fait, on va appliquer exactement le même procédé. Alors, pour construire la perpendiculaire, ici, en fait, on veut construire un triangle rectangle en ce sommet-là.
Pour construire la perpendiculaire ici au segment bleu, eh ben, on va tout simplement tracer une médiatrice, hein, comme on a fait précédemment, puisque la médiatrice ça possède la propriété d'être perpendiculaire au segment en fait. Alors, on y va, on récupère le... tiens, je vais commencer dans un premier temps par prolonger le segment bleu ici, et je vais le prolonger de l'autre côté. Voilà, on va bien s'appliquer. Prolonge comme ça. Ensuite, à ce niveau-là, je vais faire un repère de deux points. En fait, je veux que le point ici soit le milieu du segment que je vais du segment dont je vais construire la médiatrice. Alors regarde, je fais un petit arc de cercle ici et cette longueur-là, je la reporte de l'autre côté. Voilà. Maintenant, il me suffit tout simplement de construire la médiatrice du segment défini par ces deux points-là. Et comme ça, la médiatrice sera perpendiculaire à ce segment. J'aurai bien un angle droit ici. Et elle passera par le milieu, c'est-à-dire ce point-là. Puisque ce point-là a été enfin, ces deux points-là ont été définis à partir de ce point-là comme le milieu. Alors, on y va. On construit la médiatrice. Donc, on va prendre un écart plus grand que la moitié. Voilà, on fait un petit arc de cercle de ce côté-là, un de l'autre, et on fait pareil à partir de l'autre extrémité. Voilà, et voilà, parfait. Maintenant, on trace la médiatrice. Alors, je ne vais pas la tracer en entier, la médiatrice, parce que moi, je veux juste ce côté-là, en fait, hein, tu vois. Donc, je vais juste relier ce point-là à celui-là. Voilà, donc là on a la perpendiculaire ici, on peut venir faire un angle droit. Parfait. Maintenant, on va prendre cette longueur-là qu'on va reporter ici, puisqu'il faut encore une longueur de 1, hein, de ce côté-là. Donc on se sert à nouveau du compas pour reporter une longueur. Ici, qu'on vient reporter ici. Voilà. Et finalement, le reste, on peut gommer. On n'a plus besoin de ça. On n'a pas besoin de ça non plus. C'est bon. Ça aussi, on efface. Ici, c'est pareil. Ça ne nous intéresse plus. Et jusqu'ici non plus. Voilà. Donc, on va venir construire en noir ce côté-là. D'ici. Voilà. Ok, c'est parfait. Et maintenant, on va venir relier jusqu'à ce sommet-là. Alors, on va le mettre en rouge. Et donc, ça, ce sera du coup la racine carrée de 5. Voilà. Donc, ça, c'est ma racine carrée de 5. Et on recommence la construction pour faire racine de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 et 17. C'est reparti. Alors, je vais prolonger dans un premier temps ce segment-là. Voilà. Ensuite, à l'aide du compas, je vais repérer deux points pour construire un segment dont ce point-là sera le milieu. Donc je reporte la même distance des deux côtés. Maintenant, je construis la médiatrice de ce segment-là pour faire la perpendiculaire à ce segment-là et qui passe par ce point-là. Allez, on y va. Hop. Prends un écart plus grand que la moitié. On fait un écart, un arc de cercle ici. Pareil de l'autre côté. Alors en fait, en réalité, de l'autre côté, c'est inutile parce que j'arrêterai de toute façon mon segment à ce point-là. On sait que ce point-là, il est sur la médiatrice déjà. Donc finalement, je vais le faire que d'un côté. Voilà. Ça y est, j'ai mon intersection. C'est parfait. Alors on y va. On construit donc la perpendiculaire.
Voilà, et maintenant il faut que je reporte, je veux la longueur ici 1. Donc je reprends mon compas. Et je reporte sur le segment. Voilà, ici. Donc je peux effacer le reste. Ça aussi, ça ne m'intéresse plus. Ça non plus. Et ça non plus. Voilà, donc là j'ai à nouveau un ici, j'ai mon angle droit. Et ici on vient de construire du coup la racine carrée de 6. Parfait. Racine carrée de 6. Et on recommence encore et encore. 7, 8, 9, c'est reparti. On reconstruit et on prolonge ici le segment qu'on a tracé en vert. On va placer deux points pour former un segment dont ce point-là est le milieu. Hop, ici, un là. Parfait. On construit la médiatrice de ce segment-là. Donc on prend un écart plus grand que la moitié. On va faire un arc de cercle ici. On en fait un deuxième à partir de l'autre extrémité du segment. C'est parfait. Du coup, ce segment-là est perpendiculaire à celui qui est en vert, donc on aura un angle droit. Et maintenant, on reproduit la longueur 1. D'ailleurs, tu vois, tiens, juste une petite astuce, peut-être ce qui serait pertinent, parce que tu vois, au fur et à mesure, je reprends cette longueur-là, en fait, je recommets une erreur. Comment te dire? Cette longueur-là, c'est à peu près 1, mais je l'ai prise à partir de celle-ci, qui était déjà à peu près 1, et celle-ci, je l'ai prise à partir de celle-là. Tu vois, je pense que si je vais éviter à chaque fois de continuer, imagine que cette longueur soit un tout petit peu plus petite que celle-là, et que du coup, quand je reprends sur elle, je la prends encore un tout petit peu plus petite que celle-là. Et ben, au bout d'un moment, tu vois, à force de tourner, j'aurai une longueur qui sera beaucoup plus petite. Donc je pense que le mieux, tu vois, pour prendre une longueur égale à 1, bah, c'est de reprendre à partir d'un segment, du premier segment, en fait. Voilà, ça évitera les erreurs en cascade, si tu veux. Donc allez, hop, là, je suis pas mal, je suis à 1. Hop, allez. Ici, c'est parfait. Je gomme ce dont je n'ai plus besoin. Voilà, ça, je n'en ai pas besoin non plus. Ici non plus. Et allez. Un. Et du coup, on a construit un racine carrée de 7 ici. Et notre angle droit aussi. Voilà, bon, maintenant je vais couper la vidéo pour poursuivre la construction parce que sinon la vidéo va durer une demi-heure. Donc je coupe, je finis la construction et on reprend la suite. Alors voilà ce qu'on obtient quand on a fini donc la construction. Alors, quatrièmement, à quoi ressemble cette figure? Voilà, je sais pas pour toi, mais moi j'y vois la coquille d'un escargot. On va dire elle est un escargot. Et après, quel nom lui donnerais-tu? Eh ben, on a utilisé le théorème de Pythagore pour construire à la règle et au compas un escargot.
Du coup, on lui a donné le nom de escargot de Pythagore. Voilà. Donc, nom, 2 points. L'escargot de Pythagore. Voilà, ça c'est assez connu. Tu peux taper ça dans Google pour voir plusieurs images. Ok.